Sera Imam Dabo qui nous revient encore une nouvelle performance. Imam Dabo, on t'arrête plus, tu gagnes tout le temps maintenant. Ah, j'espère continuer comme ça. Bah ouais, je l'emporte encore aujourd'hui. Grâce à Dieu, j'emporte sur un jugé encore au premier round, encore comme exactement le même combat que la semaine dernière. En fait, je suis vraiment la stratégie des coachs. Il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter le coach, c'est le secret en fait, je crois. Parce que les coachs font un super travail. Alors, c'est une victoire qui t'ouvre d'autres perspectives. Est-ce que tu as d'autres combats déjà prévus ou c'est pas encore acté? En fait, là, je ressors d'une blessure, en fait. Je me suis fait une entorse et une foulure au doigt et je me suis fait une élongation au dos. Ça veut dire que depuis mon combat de la semaine dernière, ben, il n'y a rien eu. Enfin, excusez-moi, le 29, il y a 3 semaines. Mais 2 jours après, j'ai eu une élongation rhomboïde au dos. Et voilà, je suis touché. Je suis allé à 2 entraînements depuis 3 semaines. Ça veut dire que niveau condition physique, on est à la limite de l'annuler parce que voilà, j'avais une grosse douleur. Mais les coachs ont été intelligents, ils ont fait tous les soins qu'il fallait. Ils m'ont parlé et avant de rentrer dans la cage, le combat il était gagné. Et voilà, ça s'est avéré positif. Encore merci à eux. Bah, bravo à toi surtout. Tu nous reviens avec... Maintenant, ça te fait 2 combats de rang puisque tu as gagné 2 fois de suite par soumission. Est-ce que tu vas encore progresser dans la gamme, essayer de trouver de nouveaux challenges, adversaires ou... Bah ouais, hein, c'est le but. Hein, franchement, ouais. Je suis dans un très bon club. Ils sont vraiment rien à dire niveau condition physique, niveau sparring, niveau tout le monde. Les partenaires comme les coachs, ils sont nickel, il n'y a rien à dire. Donc j'y vais que progresser et avec les coachs, dès qu'ils verront que niveau condition, niveau tout est bien, bah, ils me laisseront aller. Hein, je ne vais pas y aller au casse-tête non plus. Bah, encore félicitations à toi. Merci. Et on espère t'en trouver très bientôt pour encore une nouvelle victoire. Voilà, j'espère. Surtout qu'il y a les autres qui vont combattre, là je suis le premier. Donc j'espère qu'ils vont gagner comme ça parce que si, voilà, il faut que tout le monde gagne ou personne. Et je tiendrai à remercier tous mes partenaires, ouais. Tous mes coachs, Chaban qui a fait un travail exceptionnel aujourd'hui, et Fernand qui m'a vraiment bien préparé, et ma femme surtout, parce que j'ai eu super mal au dos, elle a fait tout ce qu'il fallait niveau conditions physiques, niveau massage, niveau tout, nourriture, elle a bien pris soin de moi et je tiens à remercier. Bah, merci à toi Imam, en tout cas pour les prestations que tu nous offres, et à très bientôt. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir.